C'est vraiment bizarre ces trucs là. Oh, c'est vivant. Je sais pas s'il faut marcher dessus. Je peux pas me faire les griffes dessus par contre, hein. Je sais pas si c'est un champignon, hein, peut-être un slime. C'est bizarre, hein. Oh, c'est dégueulasse par ici. Pas aller par là. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a fait que la ville est évacuée et désertée? Peut-être. On ne sait pas le dire. Il y a toujours des flèches, hein. Safe zone. Ah. Oh, il y a quelque chose là-bas. Attends, c'est quoi ça? C'est un tournevis qui est au bout d'un... C'est bizarre, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ah oui, il y a des tournevis là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un système de défense? Attends, il y a un balayeur là. Les taudis! Qu'est-ce que c'est que ça? Les petits rats. C'est... ils doivent mourir, c'est ça que ça veut dire. Pas méchant, messieurs, hein. Oh, le connard. Ok. Qu'est-ce que je fais? Pas aller dans le seau. Non. Ce bruit là. On peut pas courir. Il y a une sorte de bruit bizarre. Ah, il y a un tas de souvenirs dans cette zone là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Par contre, comment... comment savoir, il faut trouver les cartes postales ou... Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Là, c'est étrange. Une porte cadenassée. Là, il y a un escalier qui ne mène nulle part. Et ça, c'est à contrepoids. Ou alors, ça mène quelque part. On peut pas sauter là sur les choses. Hein. C'est ça là. Faut
pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur de moi? Je ne sais pas. Oula. Il est un peu trop forcé sur la bière, lui. Ah oui, ils ont peur de moi, hein. Ah, sauf lui, peut-être. Pourquoi lui, il s'enfuit pas? Attention, il y a communication là. Ah, il aime bien mon miaulement. Rencontrer. Oula. Qu'est-ce qu'il veut dire? On dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un zurk. Bah non, je suis pas un zurk, non. Tu es d'une espèce inconnue. Tu es le bienvenu dans notre village tant que tu ne manges personne. Et vous êtes en métal, qu'est-ce que je pourrais manger quoi que ce soit? J'aimerais juste savoir comment vous avez autant d'électricité là. Alors je comprends pas trop l'utilité d'un feu si c'est des robots. Tu as l'air perdu. Tu as besoin de quoi? Tiens, regarde cette carte postale. Oh, une photo de l'extérieur. Ridicule. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin, sauf les extérioristes. Ah, les extérioristes. Ah, putain. D'accord. Ils sont tous partis maintenant, sauf Momo. Ah, il y a Momo, il est resté. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais... Il a abandonné toute idée de départ, et c'est tant mieux. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Yamomo! Ah. C'est bas pour appeler machin à l'aide. Bonjour. Tu nous as fait tellement peur, on t'a pris pour un zurk. Un zurk? Oh, très joli. Ok. Ouais, c'est un peu point and click là quand même. Hein. Je pensais vraiment prendre l'ascenseur. J'ai jamais vu ce truc fonctionner. J'aurai 374 heures demain. Ok. Quel beau rêve. Quel dommage que ce ne soit qu'un rêve. Pourquoi monter là-haut? Il n'y a rien là-haut. Bah si, à mes potes quoi. Oula, qu'est-ce qu'il a lui? Lui, il a un petit problème. Regarde ça. Oh, ne viens pas interrompre ma méditation avec ce genre d'image. Ah, tu méditais. Ah putain, c'est bizarre ça. Il y a un frigo ouvert là. Hop là, petite table. Ah! Traduire. Nos ancêtres, depuis longtemps disparus, les Mou, nous ont légué cette cité, notre foyer et leur héritage. Les Mou, ben, ça doit être les humains, quoi. Il y a marqué Human d'ailleurs, là, hein, au milieu. Ah, ils ont légué ça aux robots. En même temps, les robots n'ont pas l'air méchants, donc. Il y a des bouquins là. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Attends, je vais traduire. Les histoires du passé évoquent une lumière naturelle ayant fui cette étoile pour atterrir à nos pieds. Cette lumière engendra la chaleur et le bien-être de nos ancêtres. Elle favorisa leur croissance.
Je vois pas de quoi il parle. Peut-être de la fée électricité. Ah, il s'appelle Ronin, lui. Anjaila. Johan. Eh, c'est Johan. C'est Johan. Johan. Ah, c'est quoi ça? Monsieur? Je m'occupe des plantes. Les humains les ont tellement améliorées maintenant. Elles n'ont presque plus besoin de lumière. Ah bon? Je les arrose à peine et regarde comme elles poussent. C'est une technologie vraiment incroyable. Ah, c'est clair, hein. Nous, il faut qu'on aille tout là-haut. Hein. Il n'y a pas de truc à explorer ou quoi? J'ai l'impression qu'on est un peu plus libre ici. Le marché. Ah bon, on peut acheter des trucs. Bonjour, je suis le marchand du marché. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. Aussi simple que ça. Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça te coûtera 3 canettes de boissons énergétiques, c'est le minimum. Ah, j'ai pas ça. C'est un lot de câbles électriques, les meilleurs du marché. Je te l'échange contre la lessive Super Spirit. C'est le mieux que je puisse faire. C'est une partition musicale. Une œuvre d'art magistrale d'un artiste très célèbre. Ça te coûtera une canette de boisson énergétique, c'est le minimum. Ok. C'est super. C'est Vince. Regarde toutes les merveilles cachées dans cette poubelle. Un trésor tombé du ciel, enfin, tombé de quelque part. C'est un peu comme Gun en fait. Où t'as la décharge en bas. Heureusement qu'on a ces objets pour nous défendre contre les Urks. Les taudis sont dangereux et se préparer est capital. Les Urks, c'est les rats robots là. Ah, il y a des pizzas là. C'est sérieux ça? Il y a une pizza. Oula. Best pizza quoi. In town. Appelle-moi quand tu veux, je suis là pour t'aider. Le gardien nous a dit d'aller parler à Momo au sommet du gros bâtiment avec le néon orange. C'est la seule piste qu'on a pour sortir d'ici. Ok. C'est là-bas, hein. Faut juste arriver à monter. Y'a Momo. Ah, y'a le saut là, c'est pour revenir plus rapidement ça. En fait, je ne sais pas. On va déjà aller voir Momo, on verra après. Hein. Hey, salut toi. C'est mytho ça. S'il te plaît, ne va pas vaporeux, elle est trop maladroite. Ah, il stocke de la peinture. Et si moi je détruis tout là, il se passe quoi? Ah, je peux pas pousser les pots. On va essayer de lui parler. Hein. Attention, je dois me concentrer. Pas question de faire tomber un autre pot. Attention. Ah, merde. Il faut que je fasse miauler pour qu'il fasse tomber le pot. Mais ça marche pas. Oh!
Oh, c'est dommage. Oh, il est très très méchant là, très très énervé. Mince. Eh, c'est de ma faute. C'est pour revenir. Ces cercles de lumière sont agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. C'est le vrai ciel, ça. Il est con, lui, ou quoi? L'extérieur. Momo m'a appris de m'y emmener un jour. On m'a promis de m'y emmener un jour. Alors, il est où ce Momo, là? Il est là-bas. Ils sont bien installés ici, hein. Voilà. Ah, mais c'est peut-être un souvenir, ça. Non, c'est pas un souvenir, ça. Je sais pas comment on fait pour les souvenirs. Ça correspond pas à un souvenir, ça? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Breaking news. Toi, le présentateur, c'est un robot. C'est vraiment bizarre, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des chaînes de télé et tout là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, ils ont des jeux télé! Ils ont des bérets, mais c'est quoi ces conneries? Ok. La télé des robots. Ouais. Il y a un petit cœur là. Bon, cassons-nous d'ici là. On n'est pas là pour regarder la télé, hein. Je pense que c'est par là. Momo. Oh putain. Cette bibliothèque là. Momo. 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 Ça. Oh, il y a même des livres dans le frigo. Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre, tu devrais mieux les cacher. Ouais, j'ai des clés. Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas. Jess, la bibliothécaire. Ok, donc tiens un coffre derrière des livres. Faut savoir où maintenant. Un coffre derrière des livres. Merde, j'ai tout fait tomber. Bah c'est là.
que c'est que ça? C'est un carnet étrange orné d'un symbole. On dirait que celui-ci appartenait à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les Urks en sortant. Spectromètre et lampe UV. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir ce Momo dont le gardien nous a parlé. Ouais. Mais il est où ce Momo? Ah, je vais bien aller le voir. Hein. Attends, je me fais mes petites griffes là. Petit canapé là. Allez, on ruine tout ça. Vas-y, c'est bien. C'est bien, vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Ah. Vas-y. Ah, c'est bon ça. Oh, voilà. C'était bon, hein. Donc là, je pense qu'il y avait que ça ici. Ça, on peut pas traduire. Il est où ce Momo? Ah, il est là-bas. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. On peut pas aller là-haut? Ni là-haut? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? On peut pas aller où on veut là. Hein. Comment on va y aller là-haut? Ah, il y a quelqu'un là. C'est toi, Momo? Oh, il a une tête bizarre, lui. Qu'est-ce que c'est que cette tête, là? Merde. On voit rien. Il est vraiment bizarre. Hein. Eptor. Oh, salut, toi. T'as l'air bizarre. T'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Je sais que je suis censé te caresser, mais je vais m'abstenir. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Il y a un logo des extérioristes. Il y avait un groupe de gens qui cherchaient à la surface, Momo en faisait partie. Un jour, ils ont décidé de mettre leur projet à exécution et sont entrés dans les égouts. Malheureusement, on n'en a plus jamais entendu parler. On ignore pourquoi Momo n'y est pas allé. Je crois qu'il regrettera toujours sa décision, le pauvre. D'ailleurs, on n'a jamais observé ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait que ceci appartient à un certain Doc. Ouais, c'est bon, on a déjà vu ça. Ok. Il faut qu'on monte là-haut. Ah bah par là. C'est par là. Non! Oh putain, ça c'est... C'est de la connerie ça. T'as vu ça? Ok. Ah, c'est Momo! Oh, Momo, il a smiley triste, hein. C'est quoi ça? Traduire. Terre. La Terre est la troisième planète après le système et la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. Si l'on en croit la datation radiométrique, la Terre est vieille de 4,54 milliards d'années. Elle n'a qu'un seul satellite naturel, la Lune, qui s'est formée juste après. L'interaction gravitationnelle avec la Lune engendre le phénomène des marées, stabilise l'axe de rotation de la Terre tout en diminuant progressivement la vitesse. C'est incroyable. Extérioriste. Ah, c'est ça le symbole des extérioristes? C'est quoi? C'est un micro? Une sorte de micro? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne marchera jamais!
Pourquoi je les ai laissés partir? Je suis tout seul maintenant. Salut toi. Qu'est-ce que tu veux? Ben, qu'est-ce que je veux? Regarde ce que j'ai trouvé, gars. Prends les livres de recherche de mes amis. Ils ne servent plus à rien et plus personne ne veut sortir. Mais que puis-je vraiment faire pour toi? Ah, mais c'est une photo d'extérieur, tu veux y aller? Bah, te fatigue pas. Ah, c'est une perte de temps. Tu n'y trouveras que solitude et désespoir. Et mes amis en rêvaient aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri. J'ai essayé de les contacter, mais cette putain de radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller. Ben voilà! Hop, 1 sur 4. Tu es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur, bonne chance. Momo a l'air très triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un œil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des extérioristes. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Nous devons protéger nos frères et nos sœurs. Nous devons fuir les Yorks. C'est signé Clémentine, Balthazar, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. N'est-ce pas? Un peu de musique là. Qu'est-ce que c'est que cette musique? La ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. Il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Si j'en crois mes livres, un grand ciel bleu est caché derrière. Parce que les étoiles qu'on voit, c'est pas les vraies étoiles. Ah, c'est un cylindre. Ah, c'est une sorte d'expérimentation grandeur nature, ça. Pourquoi il y a des trucs barrés, là? 8801. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit sac. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Putain, mais ils laissent leur frigo ouvert, ils en ont rien à faire. Hein. Quoi? Non, mais c'est Splinter Cell. Mais attends, il est coincé, je suis coincé là. Putain, ça y est, je suis coincé. Ah mais non, il s'est coincé. Ah mais c'est parce que il voit plus rien quand il est dans le sac. Mais c'est vraiment un con. On peut plus le remettre. Ok. Ah voilà, une carte postale. Oh Back Home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Ah bon? Bah pas moi. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, il me manque. Pourquoi ai-je oublié son nom? Ah. Ah ouais, d'accord. Alors s'ils sont dans l'ordre, on a loupé un temps. Hein. Hey petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles? Mais oui, hein. C'est mon carnet, je suis le dernier à avoir rejoint les extérioristes et il reste aussi plus que moi. Et le pauvre. Ça sert à rien de faire ça en fait. Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Une partition. Qu'est-ce que c'est? C'est Petite Valse. J'aimerais beaucoup entendre jouer ça. Ouais.
c'est pas ça que je veux. Petite valse. Peut-être qu'il pourra le troquer. L'autre, il vend des partitions. Il n'y a pas un truc là? Non. Ok, on a tout fait ici. C'est quoi ça? C'est une petite balle. Hop là. Hop là. On peut jouer à la balle. Hein. Et on est des balèzes ou quoi là? On est un chat, merde. On joue à la balle. Putain, quand il y a deux trucs, c'est compliqué d'interagir. Ça ne sert à rien. Mais non, mais moi je veux sortir. Je ne peux pas sortir. Hein. Par là. Donc il faut qu'on trouve les autres carnets. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. Quel mur? Quel symbole? Où tu le vois ça? Ah ouais? Ça pourrait être une piste. Ah ouais, d'accord. Comme celui-là là-bas. C'est là qu'on a retrouvé un carnet. Hein. Ok, donc les smileys ronds là, c'est des symboles. De carnet. Eh bien, on va y aller alors, attends. Hop, hop, hop. C'est là-bas. Alors, on cherche un petit carnet. On peut aller sous le lit. Oh, il y a une friteuse là. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Prendre carnet de Clémentine. Je lui travaille un carnet de plus. On dirait que celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Le plan s'est déroulé comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-Ville qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure, ses yeux. Je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Bah, c'est-à-dire les autres carnets. Carnet de Doc, carnet de Momo, carnet de Clémentine. Il manque le 2 sur 4, quoi, c'est ça, non? Ou alors chacun en a 4. Je ne sais pas trop. Du coup, on va aller par où? Alors si le jeu est bien fait, de là, on pourra voir la prochaine destination. Hein. Ah, ah bah voilà, le jeu est bien fait. C'est là-bas. Ok. Par où on passe? On va passer par là-bas. Je suis pas sûr là. Ah ouais, je pense qu'il faut retourner en bas. Ouais. Ah bon, on est encore une fois là. Incroyable. On est revenu. On va remonter par là. C'est tout en haut là. On n'est pas allé par là avant.
C'est vrai. Oh là, il y a un clochard là. Bonjour, je suis musicien, mais je ne connais aucune chanson. Ah, mais j'ai des partitions, moi. Regarde, je te montre cette partition. Petite valse. C'est bon, Syrah, tiens, regarde. J'ai la manette qui ronronne. Ça fait un peu penser à Outer Wilds, ces moments-là. Ah oui, on a les contrôles inversés. L'accès aux égouts est condamné à cause d'une prolifération de Zurks. Ne prenez pas de risque, restez dans la zone sécurisée. Les Zurks. Prendre code mystérieux du coffre. Il est écrit suit les chiffres, mais on dirait un langage binaire, une succession de 0 et de 1. Il doit bien y avoir moyen de déchiffrer ce code, c'est sûrement celui du coffre. Comme ça, un langage binaire. On a vu, il faudra une machine. Ouais. Faudra une machine qui lise les langages binaires. Mais où on trouve ça? Ah mais c'est là les boissons énergétiques pour le marchand là. Oh putain ça marche en plus. Merde, il n'y en a qu'une. Alors à quoi ça sert d'aller là? Oh, il y a un truc, il y a un souvenir là. C14. C14, il était pas dans Dragon Ball Z lui. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter leur humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. Ouais. On peut continuer à grimper là. Hop là. Ouais, on va jusqu'où là? Alors, c'est où notre but? Je crois qu'il est en haut là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ici qu'on voulait aller. Alimentation électrique de la ventilation. Ok. Et donc... À quoi ça a servi là? J'ai arrêté la ventilation. Mais encore. Oula. Ah bah je peux passer maintenant. Alors est-ce que c'est un secret ici?
Où est-ce que c'est parti du jeu? Ah non, je pense que c'est le bouquin. Oh putain. Une carte postale. On cherche le bouquin. Ah oui. Attends, il y a un truc là-bas. On va boire un peu là. Il faut qu'on cherche ce bouquin. Il est où? Alors, attends, il y a quelque chose dans le carton là. Là, il est là. Enfin, le dernier carnet. On dirait que celui-ci appartenait à un certain Sbaltazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce que l'on appelle les Urks. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge et qu'ils se reproduisent à une vitesse inimaginable. Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. Oh, il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit « J'ai trouvé un défaut de conception de la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. » Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Ça nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs. Ça pourrait être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Attends, il y a un truc là. Ah là, ça sert à quelque chose. Voilà. Aller là en face, c'est que ces conneries. On peut pas aller en face. Ah mais je reviens là. Ouais. Allez, faut retourner voir Momo. Attends, Momo, il était où? Il était là-haut. Oh non, pas encore. Eh, je vous ai bien fait chier, hein. Eh hey, mais je crois que j'ai ouvert du coup la porte en bas. On va d'abord aller voir ça là. Chat perché. Voilà, attention. Attends, je vais juste voir. Il s'est caché là. Planque là. Et je dois encore nettoyer l'entrée de ma boutique. C'est Cosma. Arrête de jouer au-dessus de ma boutique, espèce de petit vaurien. Si tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas une boisson énergétique dans le coin, là? Prendre lessive super spirit, mais bien sûr. C'est pour le troc, ça. Attends, il y en a encore une, là? Est-ce qu'on sait pourquoi ils portent des vêtements des fois, les robots? Le Super Spirit. On peut pas monter là. Bon, c'était juste pour ça en fait. C'est qui lui là-bas? Faut aller voir Momo, hein. Traduire. Ah non, je cherche toutes sortes de partitions pour jouer de la guitare. Et mettre de l'ambiance. Si vous en trouvez, amenez-les moi, j'habite à côté de l'ascenseur. Morusque. Oui, on l'a déjà rencontré, lui. Coucou, toi. Ah, mais c'est un souvenir, ici. Reposant en paix, humain. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Je sais que c'est une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix? Est-ce que je trouverai la paix en mourant? J'ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je ne voulais pas plomber l'ambiance, continuons. Incroyable. Ouais, ouais, une boisson là. Attends, il y a pas
ici ou l'autre. Ah mais je suis là où il y a le saut là. Mais bien sûr, je me rappelle. Il faut que je retourne tout en haut. Ah tiens, il a fermé la porte. Ah non, il est là. Faut que je retourne tout en haut. Ah, ça fait des petites traces blanches. Attends, je lis. Je vais dégueulasser son truc à lui, là. On peut pas? Ça fait des petites traces de pattes blanches. J'en fous partout. Alors. Quoi ça? Est-ce qu'on peut ouvrir des portes comme ça? Allez, arrête de gigoter, je ne vais pas te faire mal. Quoi? Pourquoi il a dit ça? Attends, faut que j'aille chez Momo, il est tout là-haut, le gars. Comment on va monter? Faut que je retrouve un moyen pour monter. On va essayer de monter. Là. Ok, ouais, c'est là-haut. Oui, si je me rappelle bien, c'est par là. Comme ça, on va lui montrer le dernier carnet là. Alors, c'était lequel? C'est le dernier, celui-là. C'est le carnet de Balthazar, c'est ça? La plupart du temps, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Et alors? Oh, tu as trouvé une note de Clémentine, elle était vraiment courageuse, tu sais, la plus brave que j'ai jamais connue. Attends, mais c'est pas celui-là? Ok. Tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis? Oh, c'est quoi cette note? La radio peut être réparée, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Clémentine, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Merci. On pourrait trouver un moyen de te faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. En fait, il fallait montrer tous les carnets un par un pour débloquer ça. Et voilà, ça marche. Viens avec moi. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres ? Tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient encore être là-bas. S'il y a moyen de sortir, ils sauront où c'est. Ok. Faut que j'aille mettre ça au haut de la tour. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux Yurks. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Ah ouais, jusqu'au ciel, carrément. Eh ben dis donc. Il veut vraiment qu'on monte jusqu'au ciel. Et ben voilà. Ah, il faut que j'aille tout là-haut. Incroyable. Et ben ce sera dans la prochaine partie.